Eh oui, Prune est décédée! Pour le plus grand bien de tout le monde. Et Lila... Lila... La dernière ligne droite. Elle va aller jouer sous la pluie. Bon, quand même, même en grand-mère, elle a un corps que j'aimerais avoir. Hein. Pas déconner non plus. Oui, ma nounou. Ah oui, c'est vrai, c'était ta nounou, j'avoue. Et mes mains sont propres. Confinées, enfermées, on ne sortira plus jamais. Quand on dit, j'ai pour le prix de la liberté. Et heureux, mon soldat. Il y a de mauvaises nouvelles en une soirée, c'est ça. Petite mamie. Oui, ouais. Une vieille peau qui pue. C'est dommage que Marie soit pas là, ce que ce serait en kiff total. Parce que Marie aime les vieux. Non, mais j'avais dit qu'elle allait vieillir, elle clignotait tout à l'heure, mais moi je me suis dit non, je la laisse vieillir toute seule. Comme ça, on va la garder plus longtemps en vie. Même si on déménagera sans elle, hein, mais. Le problème, c'est que si je déménage sans elle, je potentiellement perds sa tombe, comme c'est déjà arrivé avec Pulcot. Je vous rappelle que je n'ai plus la tombe de Pulco. D'accord. Je pense qu'elle a envie de mourir prématurément. Hein. J'ai l'impression que c'était la semaine dernière, Nunu, qui ça passe trop vite. Ah. Mais Nunu, ça fait pas longtemps, hein? Nunu, ça fait pas longtemps parce qu'elle était active et qu'elle avait, elle avait réussi le top 10 en fitness. Enfin, je veux dire, elle avait vraiment un truc. Je pense qu'elle a duré vachement longtemps, Nunu. Hein. Elle est morte il y a quelques semaines. Hein. C'est vrai que ça fait. Il se passe quoi si un vieux sourd sur le gâteau d'anniversaire? Bah, il meurt. Ça m'est arrivé une fois. Quand je faisais mon legacy avant de commencer ma chaîne, j'avais une de mes héritières. Bon, elle avait déjà pondu ses gosses. Hein. Elle devait devenir adulte. Et en fait, ça a bugué. Ça fait qu'en fait, au lieu de passer de jeune adulte à adulte, elle est passée de jeune adulte à vieille. Et du coup, en soufflant le truc, eh ben, elle est morte. À sa fête d'anniversaire avec toute la famille. Voilà. C'était sympa. Qu'est-ce que tu... Il lui crève? Ah non! Oh non! Il voulait me refaire un gâtal. Enfoiré de tes morts. Va te coucher. Tu sers à rien, le vieux. Ça sert à rien. Oh Lila, t'es vieille et dégueulasse. Je suis tristesse. Morte pour son année. Ça fait l'air devant toute la famille, le top. C'est ça. Oh bah, je te compte pas le nombre de PNJ qui étaient venus sur mon terrain pour crever. Alors que je ne les connaissais pas. C'était beau aussi, ça tu fais. Oui, d'accord. Tout est normal. Donc Thomas a envoyé un cadeau d'anniversaire à Lila. Mais qui est Thomas? On ne sait pas. Ah, c'est peut-être un des gamins de... Alors Prune, elle est morte. Peut-être son fils à Prune. Ah bah non, elle a pas d'enfant. Elle avait pas, non. C'est le fils de Lavande, pardon. Donc Prune ne s'est pas reproduit. Prune n'a pas fait de descendant. C'est une donc très bonne nouvelle. Mais si, est-ce qu'on l'a vu enceinte? Il est où son gosse? Il a disparu dans les... Oh mon Pulco. Pour l'instant, l'arbre généalogique... Du Not So Berry, c'est donc Pepper, Bordeauxier, Coquelicot, Pulco. Et là, ici, j'ai oublié, il y a Jonathan, et après, je me souviens plus. Et voilà. Voilà le bordel. Ça va encore, hein, c'est pas incroyable. Je me suis contentée de 3 et 3 pendant 2 générations, donc j'avais pas trop fait d'enfants. Bon, voilà, ça grandit tout seul. Ah, il y a eu des petits bébés, des petites jumelles. Oliver Hayashi. Est-ce qu'il n'y aurait pas du sang un peu... Ah, c'est Meriadoc. J'allais dire du sang de Saint-Paul, mais non, en fait. Ça commence à devenir pas mal, tout ça. Hein. La petite Pepper, elle a bien œuvré. Hein. Ses gènes continuent de fonctionner dans pas mal de Sims, même si on l'a oublié depuis un moment. Et dire qu'un jour, nous serons tous vieux et dégueulasses. Il y en a qui le sont déjà. Pardon. Prune ne s'est pas reproduit, ça c'est une bonne nouvelle. Bah ouais.
Franchement, t'as vu sa gueule. Mais si, parce qu'on l'a vu en cloque, donc j'ai pas compris. Son gosse, il est mort, peut-être. J'ai trouvé sur Facebook. Faut manger une sorte spéciale de fruits qui ressemble à des vers de terre. Alors, ma petite. Ah, tu pues, hein. Bah ouais, je suis désolée. Bon, ton frère, il a pas grand chose à faire. Oh là là, mais. Lui, il se repose pas aussi bien que les autres, hein. Pour ce qu'il faut qu'ils soient tous au top, il faut qu'ils soient en vert tous les deux, donc pour qu'ils se battent. Mais comme il faut qu'il rattrape sa sœur en fitness, faut que ce soit aujourd'hui. On a 1h05 de record là, faut passer au truc sérieux, sinon vous allez tous dislike là, ça va pas du tout. Par contre, Lila, elle va impec. Hein. Ouais, bien. Qu'est-ce qu'il fait lui, putain? Des chips à la sauce mexicaine. Ouais, ouais, je te surveille toi, avec tes gâteaux là. Tu m'as fait deux enfants obèses avec tes conneries. En plus, je te fais juste pour toi, bah voyons! Bah, monsieur l'égoïste, bah bien sûr! Non mais. Hein? Alors? Allez, tous les autres font bien, il y a juste. Il y a juste lui qui. Ah, ça y est, ça, enfin dans le verre, le sommeil. Et donc, ça lui a fallu du temps quand même. J'ai entendu parler de ta récente amitié avec Copper. Bien sûr, c'est mon frère. Bien sûr qu'il est sympa. Qui es-tu? Merci pour l'anniversaire. C'est gentil. J'étais vraiment en train de réfléchir à quel fruit ressemble la vers de terre. Elle avait une prunelle. Bah, il me semble, oui, mais c'est bizarre qu'elle apparaisse pas. Ma mère est âgée, mais je ne me permettrai pas de dire qu'elle est dégueulasse. Non, mais je plaisante! Oh la vache! Non, quand même, ça va pas. Il crève quand? Oh, bah j'espère qu'on sera plus là. Hein. Qu'on sera avec notre héritier. Bah ouais, mais ta sœur, elle rentre que maintenant. T'es sûr que tu vas pas encore... Non, viens manger. Viens manger les biscuits animaux et le reste de ça. Le gamin qui mange le reste de la bouffe, tu sais. C'est dégueulasse. Oui, parfait, regarde la télé. Regarde la télé en même temps. Allez, Jean-Pierre, vas-y. Hein? N'hésite pas. Pendant que ta sœur, elle se nettoie le cul. Attends, mais t'as pas pu bouver... Ah oui, bah il va monter. Vaut mieux. Ah, ça fait du bien. Et en plus, il en a foutu partout, ce gros dégueulasse. Maintenant, tu peux donc regarder la chaîne actuelle. Maman, tu peux venir réparer la douche. Sans plus de ça, et tu feras le ménage, d'ailleurs. Parce que de toute façon, la place de la femme, c'est à la cuisine. Et on ménage! Il est chouette, le chat ce soir, beaucoup de gaieté. Comme d'habitude. C'est le chat de d'Agent Shirley, tu sais, elle est un peu conne, insupportable et surtout vulgaire. Donc bon. Et en plus, je me sers des communautés des autres. Alors, en plus de ça, franchement. Ouais, 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 je revends les nains. Ouais. Bah, pour l'instant, ils gênent pas trop. Si tu veux, je les revends tout de suite. Allez, 275. Oh, elle rapporte les vieilles. Oh oui, ça va, c'est tranquille. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Éreinté. Oh, mais il voudra pas courir. Cassez couille. Hein. Qui c'est qui veut faire à manger, là, pour tout le monde? Vas-y, Fox Mulder, là. Non, ça veut faire vivre le brunch. Mets pas le feu, par contre, s'il te plaît. Tu seras un ange. Pour ton frère, il a faim. Ah, je t'aimerai toujours. Arrête de te plaindre. Ça va pas, toi, hein? Bon, il est tout éreinté, hein. Ça va bientôt partir, mais... Il y a une élongation maintenant, super. On n'est pas prêt de faire le sport, hein, je vous le dis moi. Il se remonte tout ça. Il y en a jusqu'à 2h du matin, on peut les faire battre. Hein. Se battre, je veux dire. T'as servi? C'est bon, ton frère il a servi, viens manger. Voilà. Va manger, ça te fera du bien. Ouais.
Oh, toi, si tu sais pas quoi faire de ta vie, va courir. Moi, ça sert toujours. À chaque fois que je vois éreinter, je pense à Iowa. Oui. Oh, punaise! Oh, oh, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es pris des vergetures toute la gueule, mon pauvre chou. Merci beaucoup, Brigitte, pour ton follow. Bienvenue à toi. Moi, je pensais à Irinté, c'était qui était buggé et qui voulait pas, là, dans la génération grise. Et merci, Morgane, pour ton follow également. Et je pense que nous sommes arrivés au 1500. Je ne suis pas sûre, mais je pense qu'on est arrivé au 1500. Oh, ce serait trop cool. Merci beaucoup. 1500, quand même. C'est le début de la gloire. Ah non, il en manque un! Qui veut être le 1500e se dénonce maintenant. Et puis, tu aimes quoi que c'est? Je suis une grande fan de Sims. Comme quoi, c'est un jeu. Mais bien sûr que c'est pour tous les âges, évidemment. On n'a jamais dit que c'était pour les enfants. Plus qu'un follower. C'est le lave du mercredi soir. Enfin, après, on va bien rigoler. Pas Charlie. Je vais essayer de rire quand même, mais bon. Bon, arrête de parler. Je vais te foutre au bain après. Tu vas prendre un bain de mousse, tu vas te détendre là. Tu vas te détendre le cul là. J'allais faire le... Bah oui, moi aussi, je pensais, mais Twitch, il me dit... J'allais dire, pourquoi il se baigne avec son pyjama? Mais qu'est-ce que tu viens regarder ton fils qui est en train de se laver la bite, là? Alors, merde. Viens là-haut, hein. Oh, bah, il commence à être trop vieux pour monter un étage, hein. Quand est-ce qu'il crème, on m'a demandé. Bon, on a encore le temps. Le prochain follower gagne son poids EN bonbon sous condition. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est à Chantal, hein. Le arrête de parler, tellement bien placé. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas fait attention, je sais pas ce que j'ai fait. Oh yes! Super Tweety, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi! Merci beaucoup à Akane pour ton vote pour le Lord and Lady, merci beaucoup. J'ai dit à mon copain de sabot, bah merci, c'est gentil Anaïs. Le vieux pervers. Il aime bien voir ses enfants. Mais lui, il est encore en train d'agresser ce pauvre nounours. Mais il t'a rien fait. Et vous allez tous aller courir là. Vous me cassez les pieds. Bah, elle, non, parce que. Bah, elle voit bien en fait. Elle en a rien à foutre que sa tante soit morte en vrai. Donc ça va. Ça va, tu te détends toi? Mais en fait, on va jamais y arriver là. Hein. Regardez, il va pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On remet à demain, là, parce qu'il va être buggé. Hein. Ça peut... En plus, la dernière fois que j'ai eu ça, regardez, c'était buggé. Je vais le débug. Ça ne fait rien. Ah, oh, ça m'agace. Essaye de faire du... Ben non, il peut pas faire du yoga. Pff, médite, j'en sais rien, fais un truc. Et en fait, à chaque fois qu'ils sont éreintés et qu'il y a une élongation, ils sont buggés, en fait. Ça augmente. D'accord. Bon, bah arrête. 1500, merci beaucoup. Je suis énervée contre mon site. Merci beaucoup. Merci, Luciole, pour tes 100 bits. Merci beaucoup. Nayut Boban, moi, je mène Foussi. Y est-il la fête? J'ai rien compris. Mais arrêtez. Vous allez vous faire ban. Merci beaucoup, Paulinette. Il nous gâche la fête avec ses problèmes de muscles. Il serre les dents et puis c'est tout. À votre avis, est-ce que... Parce que là, il va pas pouvoir courir. Est-ce qu'on les fait quand même se battre ou pas? Je vais essayer de le... Ouais, il peut peut-être se calmer. Non, je clique sur la fenêtre alors que c'était sur le... Il peut peut-être faire ça, mais en vrai, je suis pas sûre. Hein. Il risque de perdre, ce qui serait une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on aurait une fille... En tant que possible héritière. Mais en vrai, il est buggé, donc... Mon soldat qui vide Queen. Mais c'est ça, je pensais que c'était Anana qui arrêtait pas de se faire ban, mais même pas. Eh, retourne. Ça change rien, il est buggé. De toute façon, tu vas pas ça. Du sang. Allez, on va les faire se battre. C'est pas la loyale, hein, pour le coup. Hein. Viens ici, toi. Allez, elle est triste. La bagarre, la bagarre, la bagarre, la bagarre. Point. Point. Mais c'est Nana, t'as combien de ban aujourd'hui? Tu vas exploser ton score aujourd'hui. Hein. Fais gaffe. Hein. Je fais comme ma maman. Balèque de la loyale. Ok, d'accord, j'ai compris. En fait, on veut une fille hein, en héritière. On a compris?
Ou au moins un garçon, une fille, après, lequel des deux? Mais maintenant, il est fatigué. Non, mais il me saoule, hein. Taquiner à propos de la mode. Allez, c'est bien. Tu vas raconter. Voilà, conversation. Non, mais ils vont quand même être sympas l'un vers l'autre avant de se bastonner, vous savez. Faudrait pas qu'ils soient juste. Hein? Non, là, c'est tendrement et puis parti, quoi. Tant pis, hein, il a un train de retard, hein, mais sinon, là, on va jamais avancer. Niveau du fitness, il est pas loin. Ah, il est à 9%. Ça va, franchement, ça va. C'est pas grand-chose, mais il est à 9%. C'est juste qu'il est fatigué, quoi, en fait. Mais il me casse les burnes, il a dormi et tout. Mais bon, voilà. Alors, c'est vrai, je vais lancer le dé que j'avais fait la semaine dernière. Lancer de H. Non, ça va, je... C'est pas vraiment... Oui, bah c'est... Je m'entraîne à lancer des haches, c'est pour aller sur ma voisine après. Alors, on va dire que... Donc, impair, ce sera Sunset, parce que c'est la numéro 1 dans la liste. Oui, parce que c'est la numéro 3, mais ça revient au même. Et pair, ce sera... Lui, il faut savoir qui commence. Attends, 1, 2 et 3, c'est un 4. C'est donc lui qui initie la première baston. Ok. C'est parti, mon zizi. Assistons à cette première baston, cette demi-finale. Tout de suite, ouais. Allez! Youhou! Qu'est-ce qu'elle veut, mamie? Casse-toi de là! On t'emmène dans la baston, nous. Ah, pour l'instant, je crois que Fox a l'avantage. Je ne sais pas. Vas-y, Sunset. Merci beaucoup, Noémie, pour ton follow. Bienvenue à toi. Et c'est un point pour Fox. On est mal pareil. Sunset, j'espère que cette bagarre sera fatale. Ah, c'est vrai que Sanana, j'avais oublié qu'elle n'aimait pas Sunset. Partage un secret. S'enthousiasmer à propos des vampires. Voilà, ils sont contents, ils s'aiment bien au final. Faire la paix après une bagarre, voilà, ils vont faire la paix. Quand même. Du coup, je vais faire passer à elle pour l'initiation de la prochaine bagarre. Comme quoi, c'est pas forcément le fitness qui fait que. Bah, casse-toi, toi! Et lui, regarde! Par contre, elle est mortifiée. Je vais les faire se calmer un peu quand même. Je vais les faire se calmer un peu. Elle va aller. Se donner des paroles d'encouragement et lui il va aller se taper une sieste. Non mais il a tout, il y a rien qui va, il est fatigué, il est toujours éreinté à 0 minute, il a froid, il a l'élongation. Il y a rien qui va dans ces gosses, hein, c'est pas possible. Hein. Bah ça me fait plaisir quand même, Noémie, tu es la 1501ème. Attendons, quand même, c'est énorme. À quand les 1500 en même temps en live? Oh, c'est dingue, vous imaginez? Genre 1500 personnes pendant un live? Il a pas mal à ses boulettes. J'en sais rien, moi, tu me poses des questions. Est-ce que ça fait gagner du fitness quand ils se battent? Non. Tu vas te calmer, cocotte. Hein. Si ça va pas, tu vas prendre une douche. Hein. Ah non, tu peux pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ah si, ils peuvent se cacher. T'iras te cacher dans ton lit. Voilà, pour que ça baisse. Ah ouais, mais de toute façon, c'est arrêter de me regarder, c'est une saute d'humeur, donc... On va essayer, hein, mais... Pourquoi faire battre des adolescents alors qu'ils sont tous dans leurs humeurs à la con, là, à chaque fois? Voilà. Ah bah voilà, elle est confiante maintenant, tout va bien. Elle va mieux. Donc elle va aller faire un petit pipi, on va la remonter un peu comme ça, une petite douche. Oh là! Et lui, là, il agresse son père, mais disons que tu vas t'excuser. C'est lui qui ramène la graille à la maison, là, quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci, Wassili, pour ton follow. Bah dis donc, ce soir, c'est dingue. Et merci et bienvenue tout le monde, hein. N'hésitez pas. T'en es où de ton objectif? Alors, tu es actuellement à 93. Quoi que c'est pas joli, hein. T'as bien avancé, Sianana. Il est relou, Fox, il se plaint tout le temps, n'est-ce pas?
En fait, on va l'éliminer, je pense, hein, directement. On va prendre Sunset. Vous êtes d'accord ou pas? J'ai tellement peur d'avoir un garçon en tant qu'héritier. C'est pas gentil, parce que bon, j'ai eu Pulco, j'ai eu Bordeaux, et je les ai kiffés tous les deux, hein, donc... ça me dérangerait pas, hein, mais bon, je sais pas. En même temps, c'est aussi faire confiance à... Si on a un mâle en héritier orange, il faudra qu'on fasse confiance à sa femelle pour avoir des jumeaux. Moi, j'ai pas confiance dans les PNJ pour les jumeaux. Enfin, quoi que Nathalie m'en a fait. Nathalie, Non, pas elle, tout, mais PSSL. Nathalie m'en a fait. Non, la... non, c'est pas Nathalie qui m'a fait, c'est la mère de... Nathalie, c'était la mère des grises. Donc c'est nuage. Oui, bah c'est... Non, bah c'est bon, c'était Massine, c'est pour ça que j'ai pas confiance. Non. Non. Tu viens de dormir, mec, tu vas pisser si tu veux. Tu veux manger si tu veux aussi. Prenez pas tout, moi, hein. Oh, Nick. Quand même. 2 minutes. Oh non, monsieur, non. C'est mon mari, Wassily, il est content. Je l'ai agressé, mais t'es pas bien. T'es folle, Paulinette. Bon, désolé, Wassily, t'as le droit de te défollow si tu veux. T'es pas obligé de rester. Aucun problème. Vas-y, on fait ça. On enchaîne les photos. Ouais, mais c'est les vacances aussi, donc je pense que du coup, il y a plus de personnes qui regardent. T'as le droit de tricher pour nous, pour les jumeaux. Ouais. Ouais, Camille. De toute façon, quand notre femelle, donc ce soit notre fille ou la femme machin sera enceinte, on regardera avec le MC Command Center et on verra, on ira voir tout de suite. Enfin, je pense, je verrai avec vous évidemment. Pour l'instant, je sais pas encore trop. Mais 51, la vache, effectivement. Alors, pour ceux qui ne savent pas, parce que là on est en plein notre Soberry, comme vous pouvez le voir, il y a tout un passif déjà dans la série. Hein. J'ai commencé les lives en fait sur notre Soberry sur YouTube, donc tout est disponible sur YouTube. Et je fais aussi d'autres challenges sur YouTube, donc n'hésitez pas également à aller voir ma chaîne YouTube et à vous abonner si vous voulez, évidemment. Mais je fais que les lives sur Twitch. Voilà. Et bien sûr, si vous cherchez le lien, et ben normalement vous faites ça, je crois. Oui, c'est bien ça, c'est mon lien de la chaîne YouTube, tout simplement. Ça c'est fait. Je fais mon auto-promo. Non mais il est chiant, hein. Mais on va y aller, hein. Il reste quelques heures, on va faire le second round, tant pis. Hein. Allez, hop. Je me dis, avec un peu de chance, il perdra. C'est super topissime, c'est ça. Et par contre, il y a un challenge que je fais exclusivement en live Twitch sans rediff, c'est le Legacy. Voilà, on a avancé hier dessus, par exemple. Voilà, mais après, pareil, on est déjà avancé, on est déjà à la 4e génération. Et demain, si vous êtes dispo, on fera de la construction. Donc, voilà, on a de la construction de que commencer. Et voilà, on est sur une construction de manoir. Si ça vous intéresse. Bon, elle est redevenue triste, elle. Non, pas dénigrer. Oh, regardez ces petites têtes de malheureux. Oh, ma soeur, je suis triste. Et elle fait, oh, mon frère, je suis triste. Oh, elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle exprimait son admiration. C'est normal, elle ressemble à sa mère. DeRoy Bane. Yibs. Ils se parlent un petit peu, ils sont mignons, et puis après ils se battent. Hein. Rien à foutre. Rien à foutre. Hier, j'ai recommencé à écouter ton Osoberry. Oui, j'ai vu ton commentaire. Ouais, t'as du courage. Hein. C'est le début de live là, ils étaient pas terribles. Hein. Viens là, charlatan! Je suis fière d'avoir presque atteint mon objectif, mais ça me rend un peu triste. Que vais-je faire une fois celui atteint? Quel sera mon but dans la vie? Quel sera mon but dans la vie? Ah bah c'est toi qui vois. Bon, arrête de bouffer, Jacqueline. Allez, tu laisses l'assiette, là, c'est pas grave. Allez, on se battait. Arrêtez de vous battre, attention. Regardez cette pose incroyable que l'on... Et la tête qui fait. Lui, il est... Comment, quoi? Tu veux m'agresser? Alors, elle est là. Oui, je vais te réduire en poussière. Bon, on y croit. J'ai envie que Sunset gagne.
J'ai peur. Oh là là, sunset, 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 sunset. Pour qu'il y ait un peu de suspense, quoi. J'ai pas envie que ce soit que mascu. Oui! Yes! Elle a gagné ce deuxième round. Perfect. Donc, on doit en faire un troisième pour voir lequel des deux va gagner. Il est minuit. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reporte à demain le troisième round? Et en même temps, je programme tout de suite la deuxième journée de baston pour qu'on puisse faire la finale dans la foulée. Foxy, c'est nul. Mais non, c'est bien qu'ils perdent. Ils se battent d'une manière bizarre. Bah, c'est les Sims en même temps. Quand même. Les 200. Oui, je pense qu'il faut viser les 200. Je dirais pas les 1000 parce que ça fait beaucoup, mais... Tu sais, tu vas faire 100 bans par an. Comment ça, ne te fais pas ça? Pourquoi? On fait ça? Allez, je reprogramme la baston pour demain. Voilà, dimanche, jour férié. Finale baston. Comme ça, je vais les... Ils vont se remettre bien et on aura le suspense. N'inquiétez pas. Allez hop, on est un partout. Regardez, ils sont tous les deux fatigués. Et voilà, ça ira mieux après. Mais chauffez pas, je fais les billes. Non, non, mais je pourrais plus jamais te lire dans le chat, tu rigoles? Alors tu as utilisé la... Non, pas du tout, l'Ovosims, elle a fait du yoga et elle a perdu. Ce qui est pas plus mal en fille aussi, hein. C'est bien. Alors notre pauvre Lila, elle est toujours là, elle fait le ménage. Assignée femme de ménage la nuit. La pauvre. Elle va aller pleurer sa sœur. Ah non, elle va tricoter. Je voulais du sang. Mais il y en aura, vous inquiétez pas. Bah là, on est sur la baston, mais on recommence. Hein. C'est-à-dire qu'au petit-déj, après le petit-déj, ils vont se bastonner. Et après, ce sera la finale. Bah alors, Lovo Sims ? Oui, je sais que tu viens d'arriver. Eh ben, oui, elle a vieilli. Et qui est mort ? C'est Prune qui est morte. Oups, Copper a vieilli. Oupsie ! J'ai oublié que Copper vieillissait. La 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 la. Alors, le dernier trait qu'il faut lui mettre, c'est glouton, puisqu'il n'a pas ça. C'est pour ça qu'il n'est pas gros, ce garçon. C'est qu'il n'a pas le trait glouton. N'inquiétez pas, à partir de maintenant, il va être dégueulasse. Hein. Glouton! Bon, ça ne change rien, il est toujours aussi beau gosse. Hein. Et il pue, par contre, ça c'est un problème. Allez, va dormir, ouais. Oh là là, Tati, elle est morte. J'ai pas eu mon gâteau d'anniversaire, c'est la tristitude. Dors parce que tu vas te battre contre ton frère ou ta sœur après. Le jour baston était horrible. Bah, elle s'est battue deux fois, pourquoi il serait horrible? Ça va pas bien. Ils sont pas bien, ces Sims. Ils sont chelous. Hein. Salut, Justine, comment tu vas? Mais si Copper est vieux, comment on fait la dernière baston? Là, il est juste jeune adulte. Il est juste jeune adulte. Bah, ils ont le même niveau. Enfin, c'est juste qu'il sera... Je sais pas. Pour moi, il n'y a pas de différence. Je regarde juste au niveau de sa fitness. Je vais le faire un peu courir. Comme ça, il va avancer son fitness pour être au niveau des deux autres. Bah, ça va, Justine. On est en train de vivre les derniers moments de la génération prune. Et on va commencer vraiment la génération orange. Là, il va y avoir la finale. Là. On va savoir qui sera l'héritier aujourd'hui. Oh, un bonnet rose! Incroyable! Fais voir toutes les merdes que tu nous as fait, toi. Ah oui, ça, tu vas le donner à tes héritiers. Ça, tu peux le mettre sur Plopsy. Ça, c'est pour les héritiers. Ah, bah oui, ça, c'est... Oui, maintenant, c'est bon. Qu'est-ce que tu... Il n'y avait pas un truc dégueulasse, là, de... Ça, tu vas le mettre sur Plopsy aussi. Allez. Tu me vends tout ça. Pourquoi j'ai plein d'ordures dans leur truc, moi, au bout d'un moment? Je ne sais pas. Allez, tu vas dormir un petit peu. Tu feras passer le temps. Jour cadeau et jeune adulte ne pouvaient pas se battre entre eux. Oh si, je pense que si. Hein. C'est l'amour fraternel. Elle peut faire un autre body rose pour moi. Ouais, on va faire ça. Pour la génération d'après qui sera rose. Qu'elle prévoit déjà. Ah, 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 ah.
Bah alors, Autonne, tu t'es pissé dessus ou quoi cette nuit? Cradingue. 4h du matin, elle se lève. Elle se dit, bah c'est une bonne heure pour me lever, tiens. Bah, Autonne, elle est jolie, mais elle est éliminée. Ah bah voilà. Et lui, il est encore en train de mater ses enfants sous la... Ils sont en train de se laver, mais qu'est-ce que c'est que ce pervers? Mais t'as un problème, toi, hein? Détraqué, va. Appelez la SPA. Autonne a fait comme mon petit Alexandre pipi au lit. Ouais, des bols de céréales, bah dis donc. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, moi, je vais aller pleurer sur le Porsche. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on est parti en délire en disant « Oh mon Dieu! Incroyable! Les sports d'hiver, la luge !» Bah, on sait que c'est le cas maintenant. Oh, moi, je le savais. J'avais deviné « Oh mon Dieu! Un pack anniversaire avec des ballons! Oh, incroyable !» C'est, ça, c'est, ils annoncent les futurs packs. Oh là là! Un kit bombé en tricycle! Oh mon Dieu! Un add-on sur les sports d'hiver et la luge. Des canards! Je me dégoûte moi-même. En fait, je crois que c'était toi, mais ton fils, il a pu faire sa fête d'anniv. Ah oui, c'est vrai. Écoute, si tu t'ennuies, cocotte, la vaisselle à faire. Oh, ça va, il fait pas si froid que ça, regarde. Oh, Dan, il va bientôt crever. Oh, mon Dieu, on va aller voir un pack sur les chiens, regardez, c'est confirmé. Sur les chiens et sur les bébés qui sortent de leur berceau. Confirmé, les enfants. Je stream depuis combien de temps? Depuis un peu plus d'un an, maintenant. J'avais commencé en mai l'année dernière. Mais avant, c'était un petit peu par-ci, un petit peu par-là. J'en faisais sur YouTube en même temps. J'ai quand même... Je faisais toujours quelques lives sur Twitch, mais ça fait depuis novembre que je stream que sur Twitch et que vraiment, je me suis installée ici et je me sens bien sur Twitch. Voilà. C'est une plateforme qui est vraiment adaptée au live, donc... Et voilà. Oh, Bichette, vas-y, va te donner des paroles d'encouragement et tu vas appeler SOS Tristesse, là. Ça, toi aussi, tu vas appeler SOS Tristesse. Ouais. Bon, alors, ils sont où, là, les... Ça va, elle dort, elle va se récupérer. Lui, ça va. Et il est toujours... Il est toujours bugué. Toujours bugué. Toi, t'es debout? Oh, la vache. Ouh, tu pues. Va prendre une douche, tu vas faire pipi. Tu vas appeler SOS Tristesse. Et t'ira courir. C'est vrai que j'allais venir pour vider l'esprit, mais... Mais non. Il est devenu un jeune homme viril. Toi, t'es là depuis mars. De cette année? Tu es un bébé? Tu es une petite bébé? Non, avril! 23 avril que tu l'as créé. Et tu me follow depuis le 25 avril. Moi, je vois tout. Tu joues qu'aux Sims ou d'autres jeux? Alors, beaucoup les Sims, et là, ces derniers temps, j'ai réintroduit un peu d'autres jeux. Comme tout à l'heure, je pense qu'on va faire du Phasmophobia, c'est le jeu de chasse aux fantômes, là. On va en faire un petit peu après le Note Soberry. Donc, voilà. Mes puceaux. Bah, écoute! Tout le monde est puceau avant de plus l'être, hein, voilà. Bon, il y en a qui restent peut-être pour leur vie, j'en sais rien. Non, mais t'inquiète, moi, soldat, y'a pas de problème. Depuis combien de temps tu me suis? Bah, je peux te dire sur Twitch. Depuis le 18 juin. En tout cas, sur Twitch. Voilà, de cette année. Après, il y a aussi YouTube, hein, dans ce cas-là. Moi, je peux pas vous dire sur YouTube. Je n'ai pas d'infos pour ça. Tu peux faire le ménage? Oh là là, ils sont chiants. T'as déjà... Oui. T'as appelé SOS Tristesse, ça, et tu les rappelles. Alors, ils vont voir toute la famille, là. Allez, toi, tu peux manger, déjeuner. Ah, et lui, qu'est-ce qui va pas? Je m'ennuie. Vas-y, regarde la télé.
Tu mangeras après. Ah, t'as vendu quelque chose, trop bien. Hein. Sur le bon coin. Sur Plopsai. Envoyé. Ah, t'avais vendu les chaussettes, je l'avais pas fait. Chut. Il a pas vu qu'elle avait vendu les chaussettes. Rouge et jaune à petit pois. Premier follow le 11 janvier et dernier follow le 25 mars. Qu'est-ce que t'as fait entre les deux? Tu m'aimais plus, c'est ça? J'ai vu que ça sonnait. Est-ce que c'est pas la vente qui a claqué entre-temps? Non. Donc lui, il est parti courir. On est d'accord. Elle va les manger. Ah, ils ont cassé le truc. Bah ouais, pour changer. Bon, on va essayer de se bouger les fesses, là. Qu'est-ce que... Tu peux pas réparer? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais, toi? Les macaronis au fromage. Ah bah ça y est, bah lui aussi il fait à bouffer. Allez. Ceviche et chips et tortilla. Bah c'est équilibré, dis donc, ça. C'est bon, toi, tu t'es remonté le moral, là, ton divertissement? Allez, hop, tu vas pisser. Non, mais tu t'en fous de ta sœur. Mais oh, calmos. Tu mangeras après. Ta sœur, tu vas la bastonner après. Tu vas me prendre des restes. Fou, tu te sers, tu fais ce que tu veux. Maman, tu fais le ménage, s'il te plaît. C'est un peu la bérésina, là. 86 jours. Un an! Ah, un an et 80... Waouh, GG, Céline. Je savais pas que t'avais Twitch au début. Je savais que... Non, mais y a aucun problème. Hein. Vous croyez pas que c'est bien ou. Enfin, y a pas de course, hein. Y a pas de problème. Hein. Aucun souci là-dessus, les enfants, vraiment. C'est bon? Tu manges ton truc là? Attends, mais regarde la télé, toi, pendant ce temps-là aussi. Ça va te remonter ça. Par contre, impossible que je sois là depuis janvier. Bah pourquoi? T'as créé ton compte le 6 juin 2018. Donc je trouve ça pas déconnant. J'ai plus l'impression que si t'étais là en janvier plutôt que mars, mais peut-être que je me trompe. Parce que mars c'était le confinement et t'étais déjà chez moi depuis un moment, donc après, je parle de Twitch, hein. Je me souviens que t'étais déjà là dans le chat. Hein. Écoutez, hein, c'est Twitch qui le dit. Hein. C'est pas moi. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Fais la vaisselle, toi! Sert à quelque chose? Ok, qui a fait l'écriture. Bloguer à propos de ses sentiments, bichette. Elle, c'est bon, elle se remonte bien. Lui, bon, bah tant pis, hein, il est toujours éreinté et tout le tralala. Hein. Dès qu'il a fini de manger. Non, mais c'est le bordel, hein. C'est le bordel. Et elle peut pas réparer le... Ah si, ça y est, elle peut réparer le frigal. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est bon, là. Va te prendre un bain, je sais pas. C'est bon, allez. Dernier tour. Vous allez venir ici. Toi, tu vas venir, là. Allez, hop. Allez, Sunset, je compte sur toi. Lui, il est mal à l'aise. Elle est triste. Écoutez, c'est le bordel. Tant qu'à faire. Oh, pardon. Excusez-moi. Non, mais arrête de regarder la télé, c'est bon. Ouais, quel look. Quel look, mon petit. Quel look. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Allez, pique une crise. Ça va te sortir tes... T'es mal à l'aise, là. Toi, tu vas... Non, c'est là. Tu vas appeler SOS Tristesse pour t'aider peut-être un peu. Ça ne change rien. Oh,
C'est plein de problèmes. Se plaint du jour férié final baston. C'est pas juste, hein, c'est vraiment nul. Ah bah elle va mieux, voilà. Comme quoi. Hein. Bon, lui il est juste buggé, hein, donc tant pis. Hein. Il discute un petit peu et puis je vais relancer le dé. Pair ou impair, comme ça je dis. Alors, 1 et 2. Alors, attendez, 1. 2. Il est buggé le site. Qu'est-ce que c'est que c'est tout qui est buggé là? Allez! Putain, c'est un générateur de dés en ligne, il n'y a que ça et le truc il trouve moyen de planter encore. Dépêche-toi, Jean-Claude, j'ai pas que ça à foutre. Allez, on va recommencer une. Parce que là... Regarde-moi ça, ils s'en vont eux. Ah bah voilà, bah ça. Ils regardent s'il y a des conseils à prendre parce qu'ils sont en train de se bastonner. Ah, mais si, il y a le lancer de dés de Google. Alors, 1, 2 et 3, je ne vois pas. Alors, c'est quoi là? 6, 6, c'est père, c'est lui qui initie la baston. Voilà. C'est bien, t'es malade, t'es mal à l'aise, tant mieux. Comme ça, tu vas perdre. Attention. Par la main, il dit. Oh là 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 là, ça y est. Vous êtes prêts? C'est pas encore la finale, hein, ça va venir. La finale, elle sera juste après. Qui sera en finale entre Sunset et Fox? Sunset, 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 Sunset. Oh non, c'est lui qui a le dessus pour l'instant. Ah mon dieu. Ouais, je pense que c'est lui. Oh putain. Eh bien, nous aurons un héritier mâle. Voilà, voilà, voilà. Ça faisait longtemps. Là, à l'instant, je pense à Marie qui serait en train de sauter de joie. Quel look, Fox. Il n'est pas encore repassé par la case relooking. Putain, lui, il est malade. Non, mais c'est pas possible. J'en ai marre de ces Sims qui n'y a jamais rien qui va. Oh, je m'en fous. Allez, vous vous bastonnez. J'en ai plus rien à fiche. Alors, j'espère qu'ils peuvent. Hein. Ben non, ils ne peuvent pas se battre. Ah bah, on est mal barré. Je vous le dis. Parce que, ben, comment on fait? D'ailleurs, j'ai complètement oublié de... Ouais, bon, mais ça arrive, c'est n'importe quoi. On peut pas. On peut pas les faire se battre. Bon, très bien, on va essayer une autre technique. Parce que là, c'est le dernier, le premier. Moi, je peux pas attendre 10 ans hein, que lui, il est là. Genre, là, ça va pas être possible. Hein. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Tu peux rajeunir Copper juste le temps que la baston de refaire vieillir après. Mais dégage toi, qu'est-ce qu'il me veut lui? Attendez, on va. De toute façon, la conversation là, ça va aller vite, je pense. Voilà, on va voir si ça marche ou pas. Hein? Quelle tristesse! Salut Wushibaza, comment tu vas? Ouais, un Naruto avec ses rayures. Je sais pas, je connais pas. Je connais que de nom, et encore. Crier sur. Insulter. C'est bon, ils peuvent se battre. Bastonner. Je pense pas, hein, mais. Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Mais qui c'est qui se mêle là? Mais casse-toi là, je sais pas qui. Oh,
Ouais. Oui, ils vont pas se faire, ils vont pas pouvoir se bastonner. From Swish Garf. Je me tiens. Tom Fark. Ça me fait rire. Oh non, j'en ai marre. Hein. Pourquoi des hommes? Pourquoi? J'aime bien quand il se taquine comme ça me fait marrer. Ah, je m'en doutais qu'il allait pas. Ça allait pas marcher. Franchement, ils font la même taille. Je vois pas pourquoi ils pourraient pas se battre. Hein. Non, c'est pas dans Amical, d'ailleurs. Je suis con. Oui, bon, allez, on va tricher. Si le MC veut bien continuer à fonctionner. Anniversaire, ado. Voilà. Bon, tant pis, ça me plus. Mais. Qu'est-ce que tu fais, toi? Viens ici, Jaco. Premier round pour la finale. Sinon on revient à Régénère Copa avec l'MCC. Oui oui oui, c'est ce que je vais faire. Oh, la vanne est toujours à poil dans dehors. Et c'est notre ami Copper qui vient de gagner le premier round. Deuxième round, ah, je les enchaîne là, j'en ai marre. Puis de toute façon ça commence à faire long sinon. Purée, c'est un mal. Mais qu'est-ce que... Copper 1-0. Bon, un partout. Ça va, ils sont potes encore. Ouais. Tu vas chanter la chanson. Se disputer à propos de qui est le meilleur. Et se battre, allez. Le suspense est incroyable, hein. Merci Girly pour ton follow, bienvenue à toi. Là se joue quand même le destin du Note Soberry, donc notre héritier est un mâle, nous ne savons juste pas encore lequel. Personne veut Fox, bah ouais mais c'est le jeu hein. La dernière fois tout le monde voulait Mini et pourtant bah elle a pas gagné. Il se déteste vraiment, les mecs. Ça va faire passer une sale journée. Je suis d'accord, je préférerais Copper. Mais en plus, il est jeune adulte, donc ça veut dire qu'on pourrait vraiment commencer la carrière et tout direct. Mais bon, c'est comme ça. Ah, bah c'est lui qui a gagné, apparemment. Mais dans le combat de mots, maintenant ils vont se combattre au corps à corps. C'est parti! La finale de la finale. Je crois que pour l'instant, il a le dessus, Copper, mais à voir. Quoi que... En général, quand il y a l'animation, on voit qu'il prend le dessus et c'est sûrement... Et c'est celui-là qui gagne à chaque fois. Mais je veux pas me... C'est Copper qui est donc notre héritier. C'est officiel. Donc je suis un peu rassurée parce que ben... Ça se joue à pas grand chose, mais ça s'est joué de peu. Copper est donc notre très grand gagnant de cette génération orange, malgré sa tristitude. Voilà. C'est ce jeune homme qui va féconder encore, on ne sait pas qui. Donc envoyez-moi vos jeunes femmes. D'ailleurs, on va le refaire vieillir, c'est vrai. J'ai oublié notification. Non, c'est pas ça. Ma commande du Sims, anniversaire, jeune adulte. Hop. Voilà, il récupère son âge. On vérifie qu'il a bien son dernier trait. Glouton, on est bien. Copper est donc officiellement notre héritier.
Je comprends rien ce challenge. Non, mais alors, girlie, t'inquiète. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, c'était l'élection de l'héritier de la génération orange qui est le Nodsoberry. Je sais pas si tu connais le challenge Nodsoberry. Tu vas pouvoir regarder les règles ici. Si je me trompe pas de. Oui, c'est les bonnes, la bonne commande. Et en gros, nous, notre délire en live, c'est que. Là, normalement, moi, dans mes challenges, je fais voter mes viewers, mes abonnés. C'est eux qui choisissent l'héritier. Je le choisis qu'en cas d'égalité. Et dans notre Soberry, on a développé encore un autre concept. C'est que ben on vote pas, c'est le jeu qui décide. Et depuis la toute première génération, qui était la génération rouge, on les a fait se battre parce qu'ils avaient un tempérament très fougueux. Mais en fait, on les fait se combattre les uns contre les autres dans une compétition. Donc on a eu droit à une compétition sportive également et une compétition d'échecs. Et là, on est revenu au baston comme la première fois parce que vu qu'ils sont. Si tu veux, tu vois, ils sont ignobles, ils sont malveillants et tout ça, et ça collait plutôt pas mal à l'idée. Voilà, maintenant, ben, on a notre héritier. On aurait préféré peut-être que ce soit Autumn ou Sunset, mais le jeu a préféré mettre en avant les garçons et donc Copper, qui est donc notre héritier. Copper va rentrer tout de suite et il va se lancer dans sa carrière. Il va trouver son travail puisqu'on doit rejoindre la carrière criminelle, de toute façon, dans cette génération. Comme ça, c'est fait, quoi. Maximum de la carrière criminelle, effectivement. Et on va pouvoir aussi déménager. Ce sera la semaine prochaine, je pense. Parce que là, on a 1h50 de live, donc on va finir là, tranquillement la journée et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui, pour les Sims en tout cas. Bravo Copper, mais si je voulais Autumn, ah ouais, mais c'est comme ça. Avec Bordeaux, il s'était contre sa sœur et c'est lui qui a gagné. Au final, on n'a pas regretté. Parce que Bordeaux, il était méga beau gosse aussi, hein. Pulcott, on n'a pas eu le choix. C'était un enfant unique. C'était un garçon. Après, on a eu deux générations de filles et retour à génération de garçons. C'est comme ça. Et voilà, on a terminé une étape. Maintenant, il faut atteindre le niveau 4 de la carrière criminelle et participer à 5 bagarres. Ben, il en a fait 6. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte? Est-ce qu'il peut se bagarrer avec n'importe qui comme ça, là? Vas-y. Alors, tu vas être sympa, tu vas être amical. J'ai pas regardé si, quelle qualité personnelle il avait chopé. Alors, image publique. Ah, il a pas eu de. Il n'est pas responsable ni rien. Bichette. Merci beaucoup, Faustine, pour ton follow. Bienvenue à toi. Alors, se battre. Zou. Lundi à 17h. Très bien. Il lui reste 24 heures. J'espère que ça compte, hein. On va en profiter aujourd'hui pour avancer dans sa. Dans son aspiration. Oh Brodo, bah oui Brodo, quel beau gosse. En tout cas, je suis sûre que Marie sera d'accord avec moi, quoique peut-être qu'elle préférerait Fox. Non, Cooper, il est cool. Voilà. Ça compte pas. Mais c'est nul, il s'est déjà bagarré avec d'autres gens dans la rue. Ça compte pas pour la bagarre. Bah écoute, tu vas l'agresser elle alors. Tant pis. En plus, elle est moche, alors. Elle est moche et elle est mal fringuée, donc on s'en fout, hein, on va l'agresser. Hein. C'est comme ça. Alors, on va crier dessus. Non, parce que s'il faut qu'ils s'aiment pas, d'accord, pas de problème. Ça compte pas le jour férié, là, c'est nul. Il s'est déjà battu avec plusieurs personnes dans la rue, mais ça compte pas. Il s'est battu avec son frère et sa sœur, ça compte pas. Regardez comme c'est beau, là, ce coucher de soleil. Oh là là! On a quelqu'un qui s'est échappé du. Oh là là! Oh, mademoiselle, madame la reine, excusez-nous, vous êtes échappé de. Vous êtes retrouvé dans notre époque? Non, mais toi, rentre chez toi, ça servi à rien au final. C'est un peu triste comme ça, mais. C'est la vie. Pas de soucis, Paulinette, des bisous à toi! À demain si tu peux. Bonjour, monsieur le vieux, je peux vous mettre mon poing dans votre gueule, c'est ça? Ah, ça marche pas. Offre un prout en boîte, ça peut être rigolo. Offre un prout, qu'on rigole. On n'a pas encore assez rigolé aujourd'hui. Tiens, regarde. Un prout en boîte, ça marche à tous les coups. Là là. Ouais, tu vas t'excuser de temps en temps, même si bon. Shambo.
Tarbe Chabade. Bah. Elle est en colère, hein, c'est bon, hein. Vas-y, on s'en fout, la responsabilité. C'est chiant parce que il a pas la responsabilité. Du coup, bah, il peut. Enfin. Il sera obligé de travailler dur, ça va être chiant pour le taf en fait. J'ai pas fait attention à ça. Hé, hey, c'est avec nous, tu dois te battre, méchante. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, tiens. Tu veux te battre, monsieur? Hé, hey, c'est pas drôle, hein, c'est nous qui devons nous battre. Il est devenu, il a toujours sa saute d'humeur d'adolescent. C'est ça qui me fait rire. Ce soir, je vais faire le magnifique Simself pour Iowa et Copper. Alors, peut-être pas Simself pour Copper, mais pour Iowa, oui. Bien sûr, y'a pas de soucis. Elle est où l'autre? Mais je veux que tu te battes avec elle, en fait, en vrai. Vas-y, tu vas la railler encore. Vas-y, va la chauffer. Va la chauffer, Copper. Cop. Copyright. Elle est confiante aussi, cette pain bêche là. Zut, hein. Énerve-toi un peu. Et j'espère que vous n'êtes pas sortis de chez vous, hein, depuis 24 minutes. Alors, vous pouvez les mettre jeunes adultes, hein, vos sims féminines. Et surtout, pas de yeux marrons. Ce qui semble normal. Allez! Ah, putain. On va jamais y arriver. Hein. En même temps, je m'excuse à chaque fois, c'est vrai que c'est bête. T'as des beaux yeux, toi? Ouais, mais nous, il nous faut une meuf maintenant, hein. Donc c'est dommage, mais il nous faut une daronne, là. Alors, et une qui pond des jumeaux, hein. Voilà. Vas-y, Raïla. Ils se détestent. Ouais, mais il faut qu'ils se battent. Vas-y, offre-lui un prout. Je suis désolé, hein, j'insiste un peu, mais... Déclaré comme ennemi. Oh, madame, sexy. J'ai marron. Et l'outil. Excellent. Ils sont trop beaux. Bah écoute, on peut pas se battre avec elle. Regardez-moi ça. C'est pour la classe à Dallas, lui, hein. Attention, hein. Il a sorti le costard, hein. Il doit avoir soirée Moyen-Âge dans le coin, hein. Mais pourquoi tu veux pas te battre? Oh, ça m'agace, hein. Au bout d'un moment. C'est trop nul. C'est chiant. Quimbo. Des bisous, Cyanana, je t'avais pas vu que tu partais. Des bisous. J'en ai jamais eu en 3 ans de jeu. Sans mode, c'est 3 max. Ouais, ça existe, des triplés, mais... Peut-être qu'on peut pas se battre avec elle, car elle est enceinte. Mais non, elle est vieille. Elle est vieille, elle peut pas être en clanque. Elle est toute sèche. Bon, écoutez, ça veut pas... Et puis là, on dépasse les 2 heures de rec, donc on va s'arrêter là. Il va rentrer chez lui. Parce que là, il a faim. Regardez-moi ce bordel ici. T'as toujours pas réparé le frigo. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, Lila. Là. Ça te suffit à bout d'un moment. Hein.
Tu vas faire. Alors, tu vas préparer les pâtisseries. Des pains complets. Ah, oh, ça pue. Je vous avais dit tout à l'heure que ça allait puer parce que j'ai les voisins qui font en bouffer. Des bisous, Quentin, Biatal! Bon, qui c'est qui est dans le bain là? Hop, dégage. Place à l'héritier. Allez. Va faire ton pipi. Tu te sentiras mieux et tu vas me faire des pâtisseries. Alors, je voulais des bagels au myrtille. Allez, go. Ce qu'il faut, va falloir faire 10 en compétences pâtisserie avec lui. Donc, il va en faire. Hein. Des bisous, Valouchkaïa, Biental. On n'a pas le temps, maman. Prépare des beignets. Des beignets? Des bagels. Oh. Enfin, j'en refasse d'ailleurs des bagels, moi. Ils ont pas l'air terribles, hein. Ouais. Ouais, c'est pas grave, t'en boufferas quand même un. Hein. Voilà, et puis il est content, il a été méchant, tout ça. Ah, mais. Hey, tu sais quoi, rends-toi utile. Non, mais le ménage, c'est pas une assiette par une assiette. Hein, Voilà, voilà. Non, c'est là. Je sais plus. Bah, tu peux être couché, mon beau. Voilà, on va finir là-dessus. Toi, tu vas manger si tu veux. Lui, il va se coucher. Parfait. Bah écoutez, ils sont bien, ces enfants-là. C'est... Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Notre héritier va se coucher pendant que maman continue à rêvasser. Et arrête. Tu vas manger si tu veux. Oh, regardez-moi cet appartement. Cette maison complètement bordel. Bon, allez. On va s'arrêter là. L'héritier a été élu. J'espère que vous ne serez pas trop déçus. C'est la vie, c'est comme ça. C'est Cooper qui a gagné. Moi, je vous remercie, YouTube, d'avoir regardé cette longue rediffusion. Peut-être que j'en ferai deux parties pour faire un peu de suspense. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Noce au Berry. On commencera la génération orange et les autres fois sur ma chaîne aussi également. Des bisous. Ciao.